C'est la grande nouvelle de l'année, Adrien est de retour. Adrien, vous l'avez connu, il était derrière les Alcarnot, il avait déjà une table. Et bien là, il ouvre une deuxième table. Alors Adrien, expliquez-nous, vous avez quitté les Alcarnot en quelle année ? Il y a trois ans. Il y a trois ans. Ouais. Et alors, qu'avez-vous fait pendant trois ans ? Vous avez pas revu ? J'ai trouvé une place de chef dans un restaurant en zone sud de Limoges. Oui. Et puis, dans l'idée de me réinstaller, voilà, à mon compte avec mon épouse. Alors, vous étiez passé, il y avait combien de couverts à l'ancien restaurant ? 30 couverts. Et là, il y en a combien ? 80. Ah ouais, carrément. Ouais. Donc là, vous passez à la vitesse supérieure. Mais rassurez-moi, la carte, parce que c'était génial, la table d'Adrien, la carte, elle a bougé ? Non, rien ne change. On a juste changé la taille du restaurant, l'esprit reste le même, la nourriture reste la même, voilà. Vous êtes originaire de Tours, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous a amené à Limoges ? Le travail de mon père qui était souvent muté, donc on s'est retrouvé à Limoges. Où avez-vous été formé ? Donc j'ai fait mon bac pro à Saint-Jean et puis j'ai fait les quelques tables sur Limoges, quelques restaurants et puis après je me suis mis à mon compte avec mon épouse. Ah oui, et c'est ça, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a Aurélie. Hein. Exactement, il y a Aurélie sans qui je ne ferais pas mon restaurant. Voilà. Alors ici, donc une nouvelle équipe ? Oui, oui, une nouvelle équipe. On est trois cuisiniers, deux serveurs et puis deux patrons, donc on est sept au total. Quelle spécialité on peut déguster ? Du poisson, des burgers, des plats traditionnels, en tout cas des produits frais et que des choses faites maison. Ah, génial. Est-ce qu'il y a des œufs ? Oui. Est-ce qu'il y a du riz ? Oui. Bref, c'est l'euphorie ! C'est la table d'Adrien !